Là. Ouh là là, ça va pas bien se passer. Ouh, mais pourquoi j'ai dit oui? Oh purée de bordel de. Eh bien, bienvenue, amis et joyeux visiteurs. Nous sommes en 2018, et oui, le premier jour, et déjà, il faut que je fasse des conneries. Donc, comme tu l'imagines, et comme toutes les personnes à peu près sur cette planète simultanément, il se trouve que cette nuit, j'ai bien fait la brinque, quoi. Et je demande quand même si c'est super raisonnable de tester un jeu en VR un lendemain de brinque comme celle du 31, quoi. Voilà. Enfin, ça, c'était la petite parenthèse perso. Alors, l'autre détail que je vais spécifier, c'est que j'ai pas réussi à faire mon installation avec le retour. Je vous avais promis un cosplay pour ce stream. Et ce cosplay est absolument magnifique, tellement magnifique que je ne le porte pas à cet instant précis, vu qu'il n'y a pas de retour vidéo, du coup c'est merdique. Mais je vous promets, je ferai des photos. Et si vraiment vous êtes plein à hurler, j'essaierai de trouver un système pour vous faire le stream de la PS4 avec le retour vidéo en même temps, de ma sale gueule sous le casque de VR, plus le cosplay. On va dire, si la vidéo fait plus de 100 vues, vous avez gagné. Je fais l'effort de trouver toute la solution utile pour arriver à monter ce stream. Vendu? Vendu. Alors aujourd'hui, dans quoi va-t-on vomir? Ah, facile, oui, non. Enfin bon. Et Megaton Rainfall. Et pourquoi avais-je décidé de prendre un rôle de super-héros, d'ailleurs qui s'appelait Riette Montcerise, en hommage à qui vous savez? Eh ben, en fait, parce que Megaton Rainfall, c'est quelque part un espèce de simulateur de Superman. Vous avez vite pigé. Allez, on y go. Me secoue pas trop, stop. Ça vient droit sur moi. Ouais, mais faut être gentil aujourd'hui. C'est un peu haut là. J'ai le cou un peu raide. Je pourrais avoir quelqu'un qui me fait des massages en fait en même temps pendant que je joue. Peu importe que ce soit quelqu'un de joli, quoi, parce que j'ai le casque, je vois pas. Non? Pas possible, ok. Merde, une bassine, j'aurais dû prévoir. Hop, là, tu vas voir, toi. Ouais. Donc, en fait, c'est un simulateur de mort. Vous voyez la lumière au bout? Non, je plaisante, hein, bien entendu. Ça y est, j'ai encore fini un jeu en moins de 5 secondes. Alors. Le truc qui est bien quand même, arrêtez de rigoler les internautes qui connaissent mes streams et qui connaissent mon problème de vertige. Et le truc qui est bien, et là vous allez être déçus, c'est que quand on a le vertige, quand ça devient vraiment trop loin, le cerveau fait abstraction. Il y a une échelle où il faut rationaliser les distances et où le cerveau du mec qui a le vertige panique complètement. En général, c'est entre 5 et XXX mètres. Après, au-dessus, quand vous prenez l'avion, il n'y a aucun souci, quoi. Vous n'en avez rien à foutre. C'est tellement loin que, tant qu'à tomber, autant tomber comme une merde, il n'y a pas moyen de s'en sortir. C'est haut, quand même. Je rigole. Alors, qu'est-ce que je vais faire? J'aurais peut-être dû lire, les gars. Salut. Oh, tu es énergie rose. Et maintenant, je vais être habillé en Super Sentai, ça y est. Vol supersonique. Well done, my offspring. I now need you to show me you've mastered how to fly. Ah, j'entrevois mes petons. Ils doivent dépasser pour votre écran. J'ai vu que l'écran du stream était rogné un petit peu verticalement. Hein? Quoi, descendre tout de suite? Non, moi je suis bien là, regarde. Ouais, je sais, mais moi je. Quand même là pour profiter un peu, je veux dire. Attends. Ah, alors, le stick droit, déplacement par à-coups. Bah, on va aller sur la lune. Bah, je vais me faire engueuler, moi. Non, mais je me fais déjà engueuler, de toute façon. Oh putain. Ouais, non, mais t'inquiète. J'essaye les commandes, là, j'ai pas tout pigé. Alors. Ouais, là, ça va plus vite. Hop, hop. Là, on est encore trop haut pour que j'aie le vertige, ça va. Je vais vous faire voir l'altitude qui va me foutre la gerbe, tiens, on va rigoler. Alors, moi, ce qui me foutrait la gerbe, c'est genre, ouais, par là. Là, voilà, quand on commence à bien voir le décor, qu'on dit,
Oh, en visant un arbre, je peux encore m'en sortir, quoi. C'est un espèce de conflit avec le cerveau et l'oreille interne, c'est rigolo. Pas rigolo. C'est une façon de parler. Oui, oui, Satan. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux que je... ramasse le petit pois? D'accord. You want me to follow you, hein, little Grigou? Oh, c'est pas mal joli, hein. Ça donne bien une impression de grand espace. Je sais pas ce que ça signifie, le bip-bip que j'ai régulièrement. Bip-bip. Il manque des Will Coyote. On va sur un petit Razmat qui tue sa mère. Bon, c'est pas... Niveau détail, hein, c'est pas du Google Earth. Mais bon, faut se dire que vu la taille de la map, apparemment, ils ont peut-être pas eu le temps de mettre toutes les vaches et tous les moutons qu'il fallait dans les champs, quoi. J'aimerais bien savoir ce que c'est, ce bip-bip. Moi, je suis, hein, je suis un peu con-con. Je suis sûr que je me suis déjà désaxé de la caméra. Oh, là, mais ça, c'est effet. Ça fait comme si on était un dauphin. Je vous ai jamais fait flipper le dauphin d'ailleurs. Non, je le fais mal aujourd'hui, j'ai un peu la bouche pâteuse, faut dire, avec tous ces événements dramatiques. Et où cours-tu le lapin? Tu ne risques rien. Ah ouais. Oh! Je vais me faire vomir tout seul à force de faire le con. Qu'est-ce que c'est? Voile noire? Non. T'as vu ça, les coups de frein, combien avec ça? Il doit y avoir un ABS, je pense. Maurice! Maurice, attends-moi! Oui, je sais, mais je... J'avais un double appel. Faudrait que je me monte le son un peu dans le cas, ça serait pas mal. Parce que là, je crie, et tant que j'ai crié, autant que j'ai la musique forte. Hein. Vous avez une musique un peu... Comment dirais-je? Attends deux secondes, je vais regarder parce que chaque fois je me pisse. Ton volume. C'est moche, hein? Désolé, je te referai pas. Enfin, je le referai pas. Ah, vas-y, fais gueuler. Qu'est-ce qu'on rigole aujourd'hui? Alors, ce réveillon s'est passé comment pour vous? Parce que apparemment, il y a beaucoup de narration là. Bien, bien, bien. Eh oui, abusé. Vous avez abusé. Ah, d'app. Moi, je sais pas ce que c'est abusé. Alors, ça a dû couper là. Il y a dû y avoir des chepettes. Mais c'est juste parce que je... Non, je vous dirai pas ce que j'ai fait pour que ça coupe. Je n'ai pas coupé l'alimentation du casque VR, pas du tout. En voulant augmenter le son du volume. Le volume du son. Oh putain, le 1er janvier, c'est dur. Hey, vas-y mon gars, viens. Ah, voilà l'explication des... Oh. J'aime pas ce vol noir. Donc en fait c'est un aéroport à OVNI, hein, comme tout le monde sait. C'est pas du tout des... J'ai l'impression de plus avancer là les gars. Ah mais je suis à contre-courant. C'est le wind. Qu'est-ce que tu me dis là? Si tu m'embrouilles monsieur. Eh monsieur. Attends, je vais remonter. Je peux pas remonter. En fait c'est semi-libre là, hein, mine de rien. Je veux pas faire mon médisant, mais voilà. Ouais, c'est ça, fais voir tes petits points. On peut se crasher? Non, oh, on peut pas se crasher. La 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 la. Mais en fait, c'est ma tête, hein, la direction. Donc, parce que là, je me fais chier à bouger la manette, mais... La manette, c'est uniquement le throttle, les gaz. Donc, vous imaginez que vous êtes super Batman.
et vous gérez uniquement le... Non, ok, je ne développe pas plus. J'ai compris. C'est vrai que... Regardez-moi ça, on pourrait faire une pochette de groupe de heavy metal. Ça change beaucoup vite le climat là. Attention, il y a une... Attention le caillou! Ok. Alors moi je vais aller là-bas, j'en ai plein le... Parce que t'es pas marrant toi, tu m'emmerdes. Je sais pas où tu m'emmènes en plus. Autant il me parlerait un petit peu au lieu de me mettre sa musique... Néo metal quand tu as 12 ans. Tiens, je vais faire le dauphin de terre puisque c'est comme ça. Non, pas trop, parce que après j'ai gerbillé. Regardez-moi ça, mes petits points. Ils sont magnifiques. Ich. Tu peux pas faire un petit signe de métalleux? Non. J'essaye les gâchettes, j'essaye tout là, pour voir ce qui se passe. Hein. Il se passe absolument que dalle. À part ce bip bip régulier qui vient me... Bah, me biper dans la feuille. Je pense qu'on va développer un nouveau pouvoir. Oh, pauvre. T'as cru que t'allais me sommer, toi. Bienvenue à Abu Dhabi. Alors... Ah, quand même. Eh, ouais. Putain, t'imagines un SimCity comme ça? Pardon, je m'égare du sujet, mais tant qu'à triper, hein, autant en profiter. Mais un SimCity, un petit builder, là. Il est parti où, l'autre Zaz? Poussez-vous, je passe. Il y a des gens. Je peux pas aller plus bas. Pousse-toi, l'immeuble. Ils sont pas agréables. Attends, je vais aller dans la flotte, moi. Non, je peux plus. Ça y est, c'est fini. Okay. J'aime pas quand c'est en semi-liberté comme ça. C'est un peu cucu quand même. Ah. T'aimes bien me faire tourner comme un abrutos, toi, hein? Ok. Putain, bah si je dois sauver la planète, c'est pas gagné à ce rythme-là, hein, les gars. Allez, Proutman, je vais te recharger. On va se prendre une petite bouteille... Une petite boîte de cassoulet. Et on va enclencher la post-combustion là, parce qu'on se traîne un peu kiki, non? De toute façon, que j'appuie ou pas, j'ai l'impression de me traîner. Ah, mais je regarde, oh là là, si on peut pas garder une direction en regardant le côté. Ah, quand même, si. Ah, moyen. Moyen. J'essaye de vous faire des bons plans caméra, les gars. Je fais ce que je peux. On est le premier. J'ai pas de doublure pour les cascades. Là, ça fait un petit peu Firefox. Ah, Firefox, grand film avec Clint Eastwood. Et deux cockpits pour faire des avions entiers qui sont filmés intégralement sur fond vert. Avec un scénario déjà, mais rien que le scénario Firefox. Et enfin, si vous ne l'avez pas déjà vu. C'est absolument un must-see. Bon, pour les gens qui ne comprennent pas l'univers plus ou moins nanar, je pense que ce sera une expérience désagréable. Mais si vous êtes de ces fans de bons films de mauvais goût qui nous font bien rigoler... Firefox, quoi. Ouais, je peux me mettre à parler russe. En faisant le dauphin en même temps, bien sûr. Voilà. Oh putain. Oh les trucages aujourd'hui, nom de Dieu! Ah, y a du matos hein, dans le stream ultime de la décadence, je vous avais prévenu. C'est fini de déconner, quoi.
Parce qu'en fait, je vous avais jamais dit, mais j'ai un autre pseudo où je suis un gamer très réputé, très connu sur un jeu en particulier, mais vous ne trouverez jamais lequel. Et voilà, ainsi démarra la légende. Oh, je me refroidis un peu là, parce que j'ai la tête qui chauffe. Oh, de Dieu. Bon, moi j'ai rien contre les intros, mais quand c'est de cette longueur-là, les enfants, il y a moyen que le pec de base s'ennuie un poil. Hein ? On va jouer à Brise-Nuage ? Ils auraient pu mettre au moins des bestioles à la Space arrière, ça aurait été trop génial. Yo, coup de boule. Bon, et puis en plus, en général, alors là, c'est quand même un... Moi je trouve que c'est un manque de goût, parce que j'ai l'impression que le jeu est en train de me faire voir « Ah, regarde tout ce que je sais faire, mais dès le début, plutôt que de me réserver la surprise. » Alors je sais pas pour vous, mais moi ça me fait vraiment cette impression. Et en général, quand je me tape un jeu, bah justement c'est pour découvrir au fur et à mesure, pas qu'on me spoil tout le truc d'emblée. Quoi. Alors je sais pas si ça va être open world après ou pas. Je sais pas trop ce que je vais devoir foutre aussi. Ah. Et tu fais comment quand tu veux voler de droit et que tu te grattes en même temps? Tu te casses la gueule, c'est obligé, tu vrilles. Eh oui, non, mais des questions comme ça de super-héros qu'on n'ose jamais poser, mais qui pourtant me semblent évidentes. C'est supposé faire des jets, des espèces de halo noir. Je comprends pas bien. Les gars, c'est loin la cantoche, là je commence à avoir la dalle. Hey, tiens, con de nuage. C'est bizarre, quand même. J'espère que j'ai pas raté un truc et que je tourne pas en rond comme un con, comme je fais régulièrement dans mes streams, vous êtes habitués. Je pense pas, parce que là, c'est quand même... Il y a une flèche qui me dit « Tu suis le petit point !» Et moi, je m'évertue à quand même pas trop me barrer à perpète. Ah, on est à Bagdad. Alors, est-ce qu'il y a des snipers? Ah, il y a des gens. Ah, quand je regarde comme ça, par contre, moi, ça me gerbe un peu. Monsieur. Bon, c'est pas là. Bon, qu'est-ce que tu fous? Oula. En fait, ça, c'est quand je me mange des murs. Ok. Ah, bah, au moins, j'aurais pigé quoi faire les gâchettes. C'est la bonne nouvelle du jour, ça. Descendre. Monter. Sans bouger la tête. Formidable. Allez, avance. On pourrait avoir de la vraie musique si ça doit durer encore, je sais pas moi. Parce que là c'est un peu... Hein, à quoi ça sert de me faire des voiles noires si j'ai pas de barre de santé à l'écran? Parce que je n'en vois pas. Tu vois le nuage, des gueules. Je prends de la hauteur parce que tu commences à me saouler. Là. Oh, des horreurs boréales. Ouais, ça je veux. Alors, je sais pas comment c'est, des vrais. J'ai pas eu la chance d'expérimenter. Non, mais oh, laisse-moi profiter de mes horreurs boréales. Mais fuck off! Ouais, enfin, on a plus l'impression d'être dans un séquenceur Philips. Enfin, pardon, un equalizer Philips. Je suis perdu, viens me chercher, j'ai peur. Ouais, ça fait... Ouais, leurs horreurs morales, elles font quand même vachement, ouais. Equalizer Philips. Normalement, quand on est en dessous, on peut les voir, mais là, que dalle. Non, y a rien à voir, circuler. Ok. J'arrive, machin. Attends-moi. Là, je suis pas super confortable. Je vais m'installer. Ah, je crois que je viens de me vautrer la gueule dans la mer. Les enfants, je ne sais absolument pas où je suis. Ah. Je suis avec des poissons.
Je suis dans la quatrième dimension. Trop pris, t'en as trop pris. Allez, on s'en va là. C'est pas du tout sérieux. Que d'émotions, mes amis. Quand je commence à embuer le casque, ça veut dire que ça fatigue un peu. Je vous fais même plus le flipper dauphin. Hein. Vous commencez à être habitué, c'est même plus drôle. Allez, post-combustion, où c'est que tu veux m'amener? Parce que là, je... Même la musique, elle s'est arrêtée. Ça veut dire qu'on tourne autour d'un truc, ou je sais pas... Tu te fous de ma gueule, peut-être? Oui, va, oui, va, oui, va, oui, va. Your flight technique is acceptable, Miles Spring. Unfortunately, we have no more time for practice. Ah. Please, fly through the Xenocube again. Le grappin. Appuyez sur R2. Shazam. You now have enough power to face the intruders. Practice your new power. Et encore, t'as pas vu mes colons. Ah oui, il va falloir apprendre à maîtriser les déplacements. Descends. Et comme par hasard, le chat se ramène dans un pot à cet instant précis. Trop génial. Chat, ça tombe bien parce que si je vomis, j'ai rien pour m'essuyer. Reste dans le coin. Quoi? Non, non, reste là, chat. Ok. Mais je suis là pour ça. Ok, on fait ça comme... T'as un bout de map, ta flèche, là? Non, je me démerde, ok. Ah ouais, ta flèche. Salut. M1... Tum, 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 tum. Piou! Piou, 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 piou! Ah, on peut pas tirer en chaîne, ça c'est dommage. Alors, c'est là qu'on va commencer enfin le jeu après cette introduction qui n'en finissait plus. C'est à moi de gérer avec la tête et direction, faut que je me rappelle de ça. En fait, c'est une sorte de shoot, ce jeu, où on va devoir détruire une invasion alien de la mort qui pulse, venue d'Antares 4, mais pas celle qu'on connaît, celle plus à gauche. Et tout en prenant soin quand même d'éviter de faire un minimum de dégâts dans l'environnement qu'on va être amené à rencontrer. C'est-à-dire tirer comme un bourrin en plein milieu d'une ville, comme ici, c'est un peu hors de question, puisqu'on va faire plus de victimes que de réparations. Et sur ça, le jeu, il va faire la gueule. Bon, là, j'ai quand même bien fait du dégât, hein. C'est bon, je gère. Où ils sont? Reviens, machin, tu vas voir. Ah, j'ai une jauge quand même. Jauge qui remonte à gauche. C'est con, je peux pas mettre le doigt pour voir si elle remonte ou pas. Faut mesurer. Alors, menace de l'espace, tu te prends pour qui? Piu piu piu. Ah, non, c'était pour déconner, les gars. Donc tout ce qui est rouge, hein, c'est à défoncer en priorité.
n'arrive pas à les défoncer. C'est dramatique. Non, tu n'auras pas cet immeuble, petit méchant, va. Oh, j'ai gagné une tabitière. Qu'est-ce qui se passe? Bouge pas, machin, j'arrive. Regarde ta tête. C'est ce qui merde. Fais voir ton petit côté rouge. Oh là là. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, j'ai dû détruire trop de trucs dans l'environnement, je pense. Ça doit être ça, parce que j'ai pas... Ou alors ma barre de vie qui est partie en live. Se fout de ma gueule, les... On entend super bien les gens crier en tout cas. Où tu vas, toi? Pour l'instant, le mec qui fait le plus de dégâts ici, c'est moi, hein. Sur mon propre environnement. C'est pas facile. J'ai pas bon. Je crois que je vais me faire engueuler, moi. Reviens, machin. Voilà, j'ai plus d'énergie. Je sais pas comment on ramasse de l'énergie, là-dedans. Ah, puis ça sent, il avance plus, mon pépère. Où il est, le truc? Merde, lui. Désolé, j'essaye d'avoir cette merdouille, là. J'ai plus d'énergie, les gars, je vais mourir dans pas très longtemps. Je vois pas ce que je dois shooter en plus. Ah si. Il me semble que je sois le plus mauvais super-héros de la création, si je ne m'abuse. Puisque je... Ça ne semble pas plaire aux jeux, ce que je fais. Et eux, ils sont petits, rapides et pénibles. Faut vraiment leur coller aux fesses. Il est l'autre. Oh putain. Laissez-le moi, je m'en occupe. Putain, mais arrête de bouger. Il est l'autre. Oh la saleté. Oh l'engeance. Il est où ton pote? C'est bon là. L'hélico, méfie-toi parce que j'ai tendance à tirer sur tout ce qui bouge. Là. J'en ai encore un? Il est encore vivant lui? Bordel de schnitz, encore une tabiquia, attention. Ben on va dire que c'est bientôt la fin là. Ça
Salut. Où tu vas, toi? Viens là, espèce de cornet de glace, je sais pas quoi. Toi, tu m'as pris un poil pour un débutant, je parie. Ah, il y en a encore un. Non, 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 non. En fait, j'ai pas une barre de vie, j'ai une barre de perte. Donc j'ai droit quand même de sacrifier un bon millier d'humains. Et j'ai bien l'intention de m'en servir. Alors c'est chiant, faut être vraiment pile dans l'axe quoi. Arrête de bouger, saloperie. Où il est? Ah. Ouais, c'est vraiment les trucs rouges qu'il faut démonter. Hein. Ouais, mon ami l'artichaut, tu vas pas faire long feu avec moi, mais je te le dis. Ah. Je vais où les gars? Il est piqué à quelque chose, mais. Le gros cafard là? Comme diraient nos amis acadiens, c'est quoi le joke? D'accord, c'est un jeu de Simon. On va jouer, mon pote. Attends à moi. Oh, de Zeus. Vas-y. On va pas le faire. Moins une. Comme quoi la vie de super-héros qu'on vous fait relire, hein, c'est pas ton ça. Hein. Comment je t'ai crevé? Mais comment je t'ai crevé, mon asticot? Allez, on chante, on fait la nouba. Je vais détruire la ville pour fêter ça. Wouhou! Bon, sur le choix de la musique, vous me permettrez quelques réserves quand même. Parce que c'est... comment dire? C'est ce qu'on appelle le fameux syndrome pseudo-Jones. Genre, un Jones, il écoute ça, il est pissé de rien. Un vieux, il écoute ça, il est pissé de rien. Donc du coup, ça fait plus grand monde... plus grand monde au guidon derrière. Qu'est-ce que ça serait? Ouais, mais il est bien près de moi, ce truc. C'est trop près, madame. Xénosphère. Et je peux ramasser des... des packs gum, par exemple. Sauver le monde en réalité, peut-être très intense. Pensez à faire des pauses. Je suis totalement d'accord. Ça va, pour l'instant, je n'ai pas encore vomi. My offspring. Ouais. A ou B? Il doit y avoir une map quelque part, je pense. Non. 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 Eh bien, que nenni, il n'y a pas de map. Donc j'ai... Pardon, c'est un morceau qui passait pas.
Donc on a droit à un 6 mini monde ouvert, on va dire, puisqu'on a droit à choisir entre... Et reprendre le jeu. Pardon. On a le droit à choisir entre point A ou point B. Voilà. Qu'en pensez jusqu'à ce moment précis? Eh ben, le jeu est pas mal fichu, hein. L'impression, si c'est vraiment faire un simulateur de Superman, ouais, ça le fait, les gars. Alors, je vous rassure, là, j'ai réglé la rotation par à-coups, parce que je vais être très très honnête, j'ai fait l'essai avec les rotations totalement libres et j'ai eu un peu mal. Comment ça? Eh oui. Et donc, je rappelle qu'on est le 1er janvier 2018 et qu'il ne m'en faudra pas beaucoup pour éventuellement me retrouver encore bien mal. Donc, je compte sur votre tolérance. T'es à poil, toi. Il y a même des exhibitionnistes. Ah! Ça me démangeait trop, je suis désolé. Ah, et donc voilà. Non, mais rien que ça, par exemple, là, c'est un peu. Donc je vais pas le faire parce que je voudrais vous épargner quand même ce moment pitoyable. Bien qu'on soit dans le stream de l'ultime décadence. Et que je sois supposé être rillettement de cerise. Pourquoi il me dit d'aller à la droite? Mais il est très bien mon point A là. Et voilà, donc le jeu, oui, est pas mal fichu, mais je suis curieux de voir l'émission, si c'est varié dans la difficulté, ou ça se renouvelle dans les choses à faire, parce que faire piou 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 sur trois cannelloni qui se courent après, c'est ce qu'on a eu à peu près jusque-là. C'est marrant, 5 minutes quoi. Après, on s'ennuie. Salut. Y a pas un téléporte ou une connerie comme ça? Si, je vais tout là-haut. Dans ma grande puissance. Puissante. En toute logique, je suis supposé voyager plus vite ici. Et c'est pas les astronautes qui me contrediront. Hop, 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 effectivement. Oh, ça c'est pas agréable comme passage. Oh, de la glace vanille. Ah, ça y est, j'ai la signature qui commence. Oh. En fait, c'est ce son qui a gerbé aussi. C'est peut-être un cousin du bruit marron. Ça doit être le bruit saumâtre. Ok, t'as raison. Tu peux la faire à pied? Allez, come on. Yeah, come on, motherfucker. Yeah. Bouya. Et pas en gros plan comme ça, j'ai l'impression d'avoir bouffé le truc. Oui. Capacité Gigaton Blast. Aucun ennemi ne peut résister à votre pouvoir destructeur. Maintenez R2 enfoncé pendant plusieurs heures pour l'utiliser. Il lui faut des mois pour se recharger. Use your new ability wisely, as it can do more harm than good to humans. Avec plaisir. C'est à moi là ou tu veux encore me raconter ta life? When you reclaim all Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. my advent will come. Ok. And then everyone will know who I am. Ok. Tu peux me laisser, moi, le jeu et la cinétose, s'il te plaît? Ok, ouais. Ok. 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 Et on y va? Hein? On est arrivé? Ouais, ok. Donc il faut que je... fallait pas que je passe à un fast-food ou un truc comme ça. Hé, la boîte, reviens. Si je veux ranger un truc, je fais comment moi? J'ai pas de poche, c'est un costume de super-héros, bordel. Putain, ils sont chiés les mecs. Bon, en plus, il y a plein de glace vanille de partout. Parce que si c'est des nuages, ça, c'est un peu foiré quand même. Je veux pas être médisant total. Mais on est à peu près d'accord. J'ai pas utilisé mon expression. Eh oui, normalement, on est bien d'accord. Là, on est à peu près d'accord. C'est pas.
Mon nouveau pouvoir, qui ne marche pas d'ailleurs. Ah si, c'est si je garde appuyé et ça fait comme si ça lançait une grosse moucraine à la Glavius. Bien, 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 bien. Bon, on va écourter un peu ce stream là parce que je commence à avoir chaud sous mon casque et oui, je le dis, je ne m'en cache pas. Et il serait bien que bah, il nous fasse voir des nouvelles bestioles pour me rassurer un peu. Et puis voilà. Non, c'est pas encore bon. C'est bon ça. C'est loin. J'ai pas l'impression de super avancer. Ah là, ça va mieux. What? Attends, il est où Maurice? Maurice? Mais il se fout de moi en fait. Ok. Je crois qu'on n'est pas arrivé. Hein. Eh les gars, vous pourriez pas mettre un téléport ou je sais pas. Ça pourrait être sympa quand même. Ce serait. Ben voilà, au moins c'est clairement situé là. Alors, ta nouvelle zone se situe en Écosse. On va dire que c'est Écosse, je sais pas. Ce point de vue géographie, ils sont quand même arrangés à ce que ce soit totalement bidon. C'est con, ça aurait pu faire un simili serious game pour au passage en profiter éduquer un poil les. Yes, yeah. Hey, man! Where is you? Ah, mais il fait des... C'est pas moi qui l'ai pété, celui-là. Non, non, non. Ouais, bah 23 pertes, c'est mieux qu'un coup de pompe au cul. Fumier, c'est arrangé. Vous verriez ma tête concentrée quand je tire. C'est tout juste si je tire pas la langue. Ça vient de tous les côtés. Comme il fuse, lui. S'il trace comme ça. Bon, c'est fluide, hein, les déplacements, mine de rien. Tu me diras, c'est un peu la moindre des choses, quand même. Oh. Ah, je crois que ça va être la dernière bestiole qu'on shoot là parce que ça commence. La petite pause est nécessaire. Qu'est-ce que c'est que ça? Madame! Madame! Je vais vous demander de quitter ce magasin! Mais il y a plein de saloperies. Du coup, je ne sais pas par quoi continuer, de quoi m'occuper. C'est un peu annoying. Poyé Polomi! Ouais, joli. Mais pas suffisant, dommage. Ah, je peux pas recharger mon énergie. Des morts par là. Et ils sont où les gars là?
Pardon, je passe. Oh. Suis-je game over, non? Bon, je vais mettre sur pause. Donc, Megaton Rainfall, voilà, c'était le petit stream. Bon, il n'était pas aussi honteux que prévu, vous êtes déçus. Je le vois bien dans vos yeux que je ne vois pas. Et c'était le petit stream promis depuis le temps sur ce petit simulateur de Superman qui est intéressant. Mais ce qu'on va faire, je vais l'explorer plus loin. Et puis si je repère des passages épiques et dantesques, je quitterai l'émission et je vous ferai le petit stream à l'arrache comme ça, discret. Parce qu'il y a moyen d'avoir des passages très amusants. Là, on voit que c'est uniquement du shoot. Je suis curieux de savoir si les développeurs ont développé une autre partie. Je sais pas, déplacer des trucs, j'en sais rien. Wallywallou. Je vous réitère la bonne année, des bisous, vous les prenez par pelleté. On se retrouve pour un prochain stream. J'ai encore des jeux à faire dans mon coin solo, mais j'espère bien que la team tous à poil aura survécu à ce 31 décembre fatidique et vous proposera tout bientôt un petit stream multijoueur, surtout qu'on a des gens qui se greffent au fur et à mesure. D'ailleurs, si vous voulez venir rejoindre la team tous à poil pour participer au stream multi, vous n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit Chaos for Beauty sur Twitter, Doline dans le game sur Twitch, c'est Gwendo MSK sur Twitter de tête, je crois, ou ma gueule sur Twitter, essentiellement. Et c'est avec plaisir que la team tous à poil vous accueillera. Il n'y a pas de limite d'âge, Vu qu'on joue quand même à des jeux pour grand aller, on va dire, passez vos 18 ans, c'est la moindre des choses. C'est pas qu'on vous aime pas les mômes de 12, mais il y a des obligations légales. Donc voilà. Mais donc, si vous êtes majeur et vacciné, n'hésitez pas à nous dire, tiens, j'aimerais bien jouer à ça, il y a ça comme jeu en ce moment, en promo, pas mal. Hop. Vous soumettez et vous aurez des réponses sans le moindre souci. Bonne année, gros bisous. Moi, je vais me coucher, là, j'en peux plus. Ciao.